les besoins de l'industrie et du secteur agricole, ainsi que les coûts élevés du raccordement à la... Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes l'équipe Évolue-Veille de Besançon, composée de Cindy, Laura, Théo, Marie et moi-même Fanny. Nous allons vous présenter notre travail sur les petits systèmes de gestion de l'eau. Il y a plusieurs systèmes qui peuvent être implantés et qu'un système peut correspondre à plusieurs pays. Pour commencer, l'Inde est un pays avec beaucoup de régions côtières. C'est pourquoi nous préconisons un système d'osmose inverse pour dessalement. Ce type de système permettra un meilleur approvisionnement en eau potable. Donc le système, cette géographie est favorable à un système tel que l'éolienne intégrée d'un système de condensation. L'Ariane, du Moyen-Orient ou encore du Mexique. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de ces pays dynamiques en commençant par ceux que l'on a qualifiés de leaders. Tout d'abord, l'argent va être élevé parce que l'eau, c'est une ressource qui est très importante et qui va vraiment avoir son importance dans la vie. Mais disposer des lieux d'implantation pour ces systèmes. Donc sur la première, les zones en rouge représentent des zones où la pluviométrie est élevée et qui serait idéale pour l'implantation. Je pense que l'étude de Besançon va encore défoncer tous les autres unités comme chaque année. Et je pense qu'on va encaisser encore une victoire écrasante. L'unité de Nancy à domicile qui va se prendre une défaite lamentable et ça va être magnifique, je pense. Voilà. Oh les gars, chauvin ou pas? Chauvin dans l'âme, on y va à fond. Les autres c'est les meilleurs, les autres c'est des merdes, ok? Personne nous arrive à la cheville, ok? Pas de favoritisme, Nancy. On a toujours pas en fait. Non, mais. On va descendre, madame. On va y arriver. Et donc, cette équipe qui a recueilli les chiffres du jury, c'est Besançon. On est vraiment très très contents parce que on s'est vraiment investi, on s'est pris dans le jeu et on a vraiment travaillé jour et nuit sur ce sujet qu'on ne maîtrisait pas du tout. Donc merci aux Polydelos de nous avoir permis de vivre cette expérience, à tous les membres du jury, merci Nancy pour leur accueil, c'est plus exactement le prénom de la jeune fille qui vous accueille, mais vous êtes voilà, super sympa. Merci à la classe de 1 et 2 JDE de Besançon de nous avoir soutenus. Merci bien Madame Simeux qui est une professeure. C'est une professeure, c'est une personne exceptionnelle qui nous a soutenus.